Dans la palette, vous allez trouver un sticker qui s'appelle Talon Academy. Il y a le site web, vous pouvez y accéder. Ceux qui sont dans cette direction-là, vous devez à votre tour aussi les encourager. On peut changer les choses. Aujourd'hui est un grand jour pour nous et comme vous l'avez bien mentionné, nous lançons la Discovery Week au niveau d'Abidjan. Alors pour commencer, on va parler de la marque Canon. Alors Canon qui est une marque japonaise, le leader mondial en termes d'imagerie numérique avec la plus grande gamme de produits qui va de la capture, donc photo, vidéo, traitement de l'image, stockage de l'image et aussi jusqu'à l'output, donc qui veut dire l'impression, avec une gamme très large d'imprimantes. Quelque chose que j'aimerais mentionner, dont nous sommes fiers, c'est Canon, et la troisième marque dans le classement des brevets aux États-Unis. Ça veut dire que Canon est leader en termes de technologie aussi, pas seulement en termes de produits. On va dire que Canon est connu pour les relations long terme avec ses partenaires. Le partenariat high-tech avoisine les 11 ans. Nous avons commencé notre activité il y a bien longtemps. Nous avons parcouru un certain chemin ensemble, appris ensemble, amélioré notre service et notre partenariat. Mais aussi, et le plus important, nous avons investi énormément ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, l'événement en est une preuve. Vous pouvez voir les locaux high-tech, l'entrepôt high-tech, tous les investissements humains et matériels qu'Hightech a fait. Du côté Canon, comme on avait mentionné ce matin, nous avions commencé par une gestion à distance, par le biais d'équipes qui ne sont même pas basées en Côte d'Ivoire. Cela a été renforcé par l'ouverture de notre bureau de liaison à Abidjan en 2017, le recrutement d'une équipe locale qui a été renforcée et aujourd'hui nous sommes fiers de dire que nous avons 5 personnes basées à Abidjan qui gèrent l'activité Canon, mais aussi énormément d'investissements comme l'ouverture d'un showroom aujourd'hui, l'inauguration d'un service après-vente pour la gamme photo de niveau 3 qui est quelque part un service de très très haute technologie pour pouvoir permettre aux clients ivoiriens de bénéficier des meilleurs services en termes de produits photo. Alors la Discovery Week est une, on va dire, dans le marketing, on va dire, c'est une campagne 360 degrés. En fait, c'est une succession d'événements qui va par le lancement de nouveaux produits. Vous allez avoir des offres dédiées marché ivoirien, mais aussi pour accompagner tout cela, vous allez avoir des workshops, des formations qui sont offertes par nos experts locaux et internationaux qui vont pouvoir accompagner les photographes qui soient amateurs ou professionnels dans l'utilisation de leurs produits ainsi le développement aussi de leur activité. Il y a aussi des sorties sur terrain pour pouvoir donner l'accès à de nouveaux produits, à de nouvelles technologies aux clients ivoiriens pour qu'ils puissent avoir leur propre expérience sur les produits. Parce que quelque chose aujourd'hui qui a changé, on va dire, dans le comportement client, le client fait beaucoup de recherches sur Internet avant d'acheter. Donc, il a beaucoup d'informations. Par contre, sa propre expérience où il va toucher le produit, où il va juger de la qualité, ça reste quelque chose qui est encore, on va dire, pas très généralisé. Donc, aujourd'hui, Canon, en partenariat avec Hightech, nous avons utilisé cette campagne pour donner l'accès à nos clients ivoiriens à certain nombre de produits dans notre gamme pour pouvoir avoir leur propre opinion sur les produits et pouvoir voir ce dont ils ont besoin. Ce qui est, on va dire, très, très excitant cette fois-ci, c'est qu'on arrive avec une gamme révolutionnaire. Donc ça va de l'appareil photo compact. Vous avez vu la série G7X, G5X, qui sont des produits aujourd'hui avec lesquels on peut faire du YouTube stream en direct. Vous avez des produits compact mirrorless, les nouveaux appareils compacts avec objectifs interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'objectif et ça reste compact et qui sont très très performants parce que vous en avez un, le M6 Mark II, qui arrive à enregistrer de la vidéo 4K. Mais aussi, vous avez du DSLR, vous avez le pack Afrique, le Travel Pack Afrique, avec lequel
tout photographe qui va voyager peut avoir sa pochette, sa carte mémoire, ses deux objectifs en plus de son boîtier, et il peut explorer différentes sortes de photographies, jusqu'à du matériel haut de gamme comme le nouveau système EOS R, avec lequel vous avez de nouveaux boîtiers R, mirrorless, mais avec un capteur qui est un capteur professionnel. En plus de ça, toute une gamme, ce qu'on appelle RF Lens, qui est un nouveau système avec une nouvelle monture d'objectifs, différentes spécificités pour pouvoir prendre, que ce soit du portrait, que ce soit du grand angle, donc différents types de photos, jusqu'à de la caméra vidéo professionnelle en 4K, très compacte, très mobile, qui va permettre aux reporters ou bien aux gens qui font de la vidéo pour les mariages de couvrir différents événements, différents types de vidéos, mais en étant très flexible de par la compatibilité du produit, tout en gardant une qualité 4K. On va dire que sans offre spéciale, le repas n'aurait pas été complet. Donc on a laissé ça pour le dessert. En fait, c'est pas seulement la semaine, mais on va aller sur tout le mois. Donc tout le mois, différentes offres sur différents segments, donc des offres destinées aux consommateurs vraiment amateurs, jusqu'aux offres destinées aux consommateurs professionnels, sans oublier toutes les offres qui vont avec nos produits régulièrement. Donc l'extension de garantie, parce qu'en temps normal, nous offrons une année de garantie, mais là, Canon offre une année en plus, donc nous offrons 2 ans de garantie. En plus de ça, nous offrons des coupons de formation pour la Canon Academy qui vont permettre aux clients de prendre des cours, comment utiliser leurs produits et comment en bénéficier au maximum. Alors, je pense que on voit énormément de positivité. Alors, on voit énormément de positivité. L'aspect aujourd'hui de notre activité en Côte d'Ivoire, on va dire que nous avons développé énormément notre activité en Côte d'Ivoire. Cela est suivi par énormément d'investissements. Comme je l'avais mentionné, nous avions une personne pour l'Afrique de l'Ouest entièrement. Aujourd'hui, nous avons 5 personnes qui sont basées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau showroom dédié pour la photo. Nous ouvrons un nouveau service après-vente. Cela veut dire que nous voyons énormément de potentiel en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de développer toute l'activité Afrique de l'Ouest à partir d'Abidjan, ce qui, quelque part, est pour nous un gros potentiel parce que nous voyons en Côte d'Ivoire comme un hub pour cette région du continent. Donc, énormément de positivité et le futur nous montrera à quel point le potentiel de la Côte d'Ivoire et de la région est important pour Canon ainsi que pour Hitech.